Et salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on va voir ensemble une application de lecture, une application qui s'appelle Amazon Kindle. Et grâce à cette application, je vais vous montrer comment donc activer l'accessibilité. Et ceci va être valable pour les personnes avec une difficulté visuelle ou pour les personnes qui veulent par exemple exécuter une tâche et en entendant se faire lire un livre avec des synthèses vocales de très grande qualité comme les synthèses vocales de chez Acapella. Cette application, dans un premier temps, il faut aller la télécharger Play Store. Le Play Store. On va ouvrir cette application Play Store. Tout en haut, on va voir une zone d'édition, un bouton rechercher. Une fois que l'on a tapé deux fois dans cette zone d'édition, apparaît notre clavier. On va taper donc Amazon Kindle. A M A Z O N Amazon L. Le clavier est masqué. Apparaît différentes applications selon notre recherche. Amazon Kindle. En gros, sur la tablette, l'application qui va nous convenir. Les livres vont être complètement accessibles à l'assistant vocal de chez Samsung et à Talkback. On va valider deux fois pour lui demander de télécharger cette application qui est bien sûr gratuite. Ensuite, pour télécharger les livres, ces livres seront payants. J'ai transféré l'image de ma tablette sur l'écran de mon Mac pour que vous puissiez bénéficier d'un aperçu visuel. Ici, on va donc valider notre application. Bouton installer. Raccourci vers Amazon Kindle ajouté sur l'écran d'accueil. On lance cette installation. Bouton ouvrir. Amazon Kindle. Bonjour. Vigotine Web Connexion. Utilisez un compte différent pour cette application. En continuant, vous acceptez les conditions d'utilisation Kindle. Alors, au tout début, il faut vous créer un compte Amazon si vous n'en avez pas. Ici, j'en ai un. Donc, je vais valider sur mon application. Connexion. Connexion. Amazon Kindle. Synchronisation de votre compte en cours. Bonjour, Taquet, et bienvenue sur Kindle. En quelques étapes faciles, nous vous aiderons à obtenir des recommandations personnalisées et à trouver votre premier livre. Bouton c'est parti. Bouton e-book en anglais, mystery et thriller. Bouton histoire. Ici, on a toute une série de livres que l'on va pouvoir télécharger et faire lire. On va continuer donc la navigation. Bouton suivant. Bouton suivant. Alerte, avez-vous vraiment terminé votre exploration? Vous avez évalué moins de 10 livres. Plus vous évaluerez de livres, meilleures seront les recommandations que nous pourrons vous faire. Bouton j'ai terminé. Bouton terminé. Les extraits cochés seront téléchargés sur votre appareil. Bouton la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Bouton 50 nuances plus claires, roman étrange. Bouton 50 nuances plus sombre, roman étrange. Bouton 50 nuances degrés, roman étranger. Alerte détail sur le livre. Romantique, libérateur et totalement 50 nuances degrés, roman étranger. Un résumé du livre. On va écouter tout de suite par exemple. 50 nuances degrés, roman étranger. L. James. 3.8. Romantique, libérateur et totalement addictif, ce roman vous obsédera, vous possédera et vous marquera à jamais. Lorsqu'Anastasia Stell, étudiante en littérature, interviewe le richissime jeune chef d'entreprise Christian Grey, elle le trouve très séduisant mais profondément intimidant. Convaincue que leur rencontre a été désastreuse, elle tente de l'oublier, jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille et l'invite à un rendez-vous en tête à tête. Lorsqu'ils entament une liaison passionnée, Anna découvre ses propres désirs, ainsi que les secrets obscurs que Grey tient à dissimuler au regard indiscret. Bouton terminé. Voilà, donc comme vous avez vu, on peut attendre un extrait du livre, un résumé de ce que va nous raconter ce livre. Ici, on va terminer. Bouton terminé. Tous les éléments. On tombe sur l'application Kindle d'Amazon, qui est vraiment accessible, avec Voice Assistant et Talkback. Donc par exemple, sur le côté gauche de notre tablette, on va trouver différents tableaux dont synchroniser, boutique, bibliothèque. On peut rechercher sur la boutique ce qu'on va faire tout à l'heure. On va par exemple ici aller livre, affichage des éléments à 12/12. Alors par exemple, si on est allé sur livre, on va avoir l'intégralité de nos livres qui sont mis sous forme de bibliothèque. Ici par exemple, 50 nuances plus claires, roman étranger, French Edition, James, EL, nouveau, livre téléchargé.
La vérité sur l'affaire Harry Kelber, French Edition, Dicker, Joël, 50 nuances plus sombres, roman étranger, French Edition, James, EL, nouveau, livre téléchargé. On est sur une bibliothèque avec la couverture du livre. On peut... Steve Jobs, essais et documents, Isaacson, Walter, livre non téléchargé. Tout le monde mérite d'être riche, ou tout ce que vous n'avez jamais appris à l'école. Faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez deux fois pour commencer à lire en contenu. Appuyez deux fois pour afficher le menu. Alors, on a un petit résumé des commandes que l'on peut exécuter par rapport à ce livre. Et ici, par exemple, je vais donc aller de la gauche vers la droite et voir ce que nous raconte ce livre. Commencez la lecture en contenu. Appuyez deux fois pour lancer la synthèse vocale. Ce qui implique, mathématiquement, qu'ils profiteront moins de leur retraite, bien qu'ils auront payé leur part et contribué à payer aussi celle des riches. Ces remarques sont également valables pour les allocations chômage, avec une petite parenthèse, à mon sens, les indemnités sont trop attractives et n'incitent pas au travail. Elles devraient aider celui qui perd son emploi à vivre en attendant d'en retrouver un. Pas à remplacer son salaire. On va par exemple ouvrir un autre livre qui va être... Steve Jobs, essais et documents, French Edition, Isaac. Faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez deux fois pour commencer à lire en contenu. Appuyez deux fois pour afficher le menu. Chaque saut de page, une nouvelle façon d'explorer votre livre sans perdre votre page. Show next page. Show next page, dernier élément. Bouton fermé. Commencez la lecture en contenu. Appuyez deux fois pour lancer la synthèse vocale. Il déménageait à 5 km seulement au sud, dans une ancienne plantation d'abricotiers à South Los Altos transformée en lotissement. Leur maison, au 2066 Chris Drive, était une bâtisse de plein pied, avec trois chambres et un garage tiers élément indispensable tiers équipé d'une porte roulante donnant sur la rue. Paul Jobs pourra y réparer ses voitures et son fils bricoler ses circuits électroniques. Entre autres atouts, la maison se trouvait juste à la lisière de la circonscription de la Cupertino Sunnyvale School, l'une des écoles les plus sûres de la vallée. Quand on a emménagé là, il y avait encore des arbres fruitiers, me précisa Jobs alors que nous nous approchions de son ancienne maison. Le gars qui vivait juste à côté m'a expliqué comment être un bon jardinier respectueux de la nature et faire du compost. On peut donc faire une pause en posant deux doigts rapidement sur l'écran. On les pose, on les lève rapidement. Le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est que je viens de faire simplement glisser deux doigts de la droite vers la gauche pour en fait feuilleter le livre. Chapitre 2, un couple improbable, les deux Steve Jobs et Wozniak dans le garage, en 1976. Woz, pendant qu'il suivait les cours de McCollum, Steve Jobs se lia d'amitié avec un ancien de l'école, qui était le chouchou de l'ex-militaire, toute promotion confondue, et une légende vivante à Homestead High pour ses prouesses en électronique. Vous voyez, l'application est extrêmement accessible, et vraiment un bonheur pour lire des livres tranquillement, avec une très bonne qualité d'écoute, de synthèse vocale. D'ailleurs, on va changer celle-ci. Jobs avait abandonné ses études au lycée, il réparait des voitures, il faisait de coquets profits. On va écouter un petit livre sur la cuisine, et ce livre va concerner... Yaourt inratable, 100 recettes faciles et gourmandes pour se lancer dans les yaourts maison. Santé poche, French Edition, faites glisser votre doigt vers la droite et appuyez deux fois pour commencer à lire en continu. Commencez la lecture en continu, appuyez deux fois pour lancer la synthèse vocale. On va donc partir sur la lecture en continu. Le yaourt nature après de multiples tests, c'est ma recette préférée pour les plus classiques des yaourts, simplement sucré. Ni trop gras, grâce au lait demi-écrémé, ni trop liquide, grâce au lait concentré, ils sont fermes et onctueux à la fois, tout simplement parfait. Ingrédients, 1 litre de lait demi-écrémé, 1 yaourt nature, 80 ml de lait concentré, 8 cuillères à café de sucre, battez le yaourt, le lait concentré et le sucre à l'aide d'un fouet. Ajoutez le lait en fouettant énergiquement. Versez la préparation dans les pots. Programmez la yaourtière pour 10 à 12 heures. Laissez refroidir les yaourts quelques minutes, fermez-les avec les couvercles puis mettez-les au frais au moins 4 heures avant de les déguster. Variante, remplacez le sucre blanc par du sucre de canne, de la cassonade, de la vergeoise, vous pouvez également utiliser des sucres parfumés, à la vanille, à la cannelle, au citron, à la fraise, à la lavande. Yaourt à la confiture. Ingrédients, 1 litre de lait, 1 yaourt nature, 8 cuillères à café de confiture, 2 sachets de sucre vanillé, battez le yaourt et le sucre vanillé à l'aide d'un fouet. Ajoutez le lait, toujours en fouettant. Déposez 1 cuillère à café de confiture au fond de chaque pot. Variante fraise, framboise, pomme, abricot, prune, coin, myrtille, rhubarbe, orange, tous les parfums sont délicieux. Vous pouvez aussi mélanger la confiture au lait avant de l'incorporer au reste des ingrédients. Yaourt à la vanille. Ingrédients, 1 litre de lait, 1 yaourt nature, 1 gousse de vanille. Alors chaque bip nous annonce qu'on a bien tourné une page automatique. La lecture est rendue très fluide et vraiment de très bonne qualité. J'espère que pour l'instant la vidéo vous plaît et vous montre comment est rendue l'accessibilité de l'application Kindle d'Amazon avec l'assistant vocal, aussi bien avec Talkback.
D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez en aucun cas à vous abonner à la chaîne. Plus de 200 vidéos vous attendent sur des démos, des tutos et des présentations de matériel. Lorsqu'on se dirige complètement en haut à gauche, bouton ouvrir le tiroir de navigation. On a donc ouvrir le tiroir de navigation. Ce qu'on va faire avec un double tap. On a une zone de recherche, de synchronisation. On va donc sur boutique. Boutique. Librairie. On arrive sur toute la librairie. Mauvaise idée par Laurie Pierren. L'amie prodigieuse, tome 2. Le nouveau nom par Elena Ferrant, Elsa Damien. Vendu par Amazon Media, le pricing a été fixé par l'éditeur. Longueur, 504 pages. On va avoir un bouton qui va nous dire... Bouton ajouter à votre liste. Bouton acheter maintenant à 9,99€. Rechercher. On va par exemple... Si on connaît le titre d'un livre, allez rechercher. Rechercher des livres. Clavier affiché. On va par exemple rechercher le livre... D-B. R. A. A. I. I. L. L. Hume, Louis Braille, Jean Brie, Harry Potter and the Goblet of Fire, Bloomberg. On est sur la boutique Kindle. Voyez un échantillon gratuit. Une possibilité de télécharger un échantillon gratuit. Donc voilà, sur l'application accessible Kindle sous Android... Marshmallow 6.01 avec l'assistant vocal, l'accessibilité est exactement la même avec Talkback. Cette application est compatible tablette et smartphone. Je vous ai mis donc en très gros la prochaine vidéo qui va arriver. Un clavier complètement accessible aux tablettes et aux smartphones avec beaucoup de fonctionnalités, mais qui appartient à une application bien spécifique. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo, de mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, de partager toutes mes vidéos, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 200 vidéos, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et ça encourage la personne qui fait les vidéos à être encouragée par ses abonnés. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Salut !